salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc franchement il y avait assez longtemps que j'ai pas sorti une vidéo, il y a à peu près je sais pas une semaine je crois. Et là ouais vous allez me dire une vidéo sur Battlefield. Ouais donc de base moi je suis un joueur Call of Duty. Mais bah je vous avais dit que j'avais plus de console, que j'attendais celle de Black Ops 3, faut que je vous parle de plein de trucs en même temps en plus. Que j'attendais celle de Black Ops 3, mais le problème c'est que celle de Black Ops 3 je croyais qu'elle était à 450, mais elle est à 550. Du coup beaucoup trop cher pour moi, je pouvais pas remettre 100€ de plus, c'était impossible. Du coup je me suis acheté une nouvelle PS4. Bah je vous mets inscrit à l'écran, ouais je pense que ouais vas-y je vous mets inscrit à l'écran. Donc comme vous pouvez voir c'était une PS4 avec Uncharted Collection. Mais couille là, il y en avait 1, 2, 3, il y avait 1, 2, 3, il y avait un code bêta pour jouer multijoueur d'Uncharted 4 en décembre. Mais vu que j'en ai rien à foutre, parce que Uncharted c'est pas mes bails, hein, jeu d'aventure pourri là, j'étais le vendre et je me suis acheté Hardline en attendant Call of Duty, en attendant Black Ops 3. Donc quand je vais vendre le jeu, parce que collection là, Uncharted ça fait un peu une semaine qu'il est sorti quoi, il y a des stands partout, j'ai vu à Cora et tout, puis là il était offert avec ma PS4. Genre il vaut 80€. Qu'est-ce que je fais? Je vais dans les magasins, c'était où? C'était Cash Converter, je sais pas, ouais, je pense que vous connaissez. Ou Easy Cash, ou c'est tous ces conneries là. Bref, c'est des gros trucs d'arnaque ça, mais un truc de ouf. Hein. Alors j'arrive là-dedans avec mon jeu. Je vois... Je vais pour le vendre, tu vois. Et puis à chaque fois il me dit vous en voulez combien? Donc moi je donne mon jeu, attends, il me dit vous en voulez combien? Je dis vas-y, dis-moi autant prendre combien, c'est pas moi qui donne l'argent. Il me sort 10€, je fais rigolo, je fais le jeu, il vient de sortir, il y a même pas une semaine, il a 70€. Mais tu me dis 10€. Il me fait, tu le vends en bon d'achat ou en argent? Je fais je sais pas, moi je m'en fous. Il me dit, oh bah j'en ai dans le magasin. Dans le magasin il a rentré un Battlefield Hardline. Et du coup je dis, bah vas-y, bah alors au pire on fait un échange. Il m'a dit ça marche, et genre il était à 30€, du coup il a fait un échange. Donc en gros ça fait que je l'ai vendu 30€, mais bon. Même j'en ai rien à foutre parce que je voulais juste Hardline. Même si Hardline était à 20€, 15€, il aurait fait un échange pour foutre. J'ai juste Hardline, mais 10€, c'était hors de question. Bref, du coup, voilà, je pourrais pas acheter la... celle de Black Ops 3. Du coup, moi, c'est une toute noire simple et encore, elle pue la merde. Enfin, je m'en branle parce que c'est comme une PS3. C'est comme des... comment dire, comme une PS4 à vous, ça fonctionne. Genre, il y a une partie droite, la partie droite de votre PS4 à vous, elle est mate. Et l'autre partie elle est brillante, genre noir brillant, pas la même matière. Et pas moi, elle est toute mate. Et les boutons c'est que vous appuyez pour allumer, éteindre, ils sont tactiles vous. Et bah moi ils sont appuyés tu vois. Donc voilà c'est juste ça qui change sur ma PS4. Mais bon le principal j'ai envie de vous dire c'est qu'avec plus puis qu'elle s'est un peu toute seule. Vu que c'est une nouvelle. Ça c'est cool. Du coup ici pour mon stage, là c'est les vacances quand je fais ça là, je sais pas, on est marre. Je sais même pas on est quel genre. Mercredi 21. Moi j'ai pas 2 semaines de vacances, j'ai qu'une semaine tout simplement. Parce que normalement j'avais mes 2 semaines de vacances. Et ensuite j'enchaînais direct sur mes 1 mois de stage. Et comme par hasard mes 1 mois de stage c'était quand? Quand Black Ops 3 est sorti. Donc ça allait pas être possible. Vous voyez ce que je veux dire. Du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une semaine de mon stage et je les ai mis dans ma semaine de vacances. Comme ça j'ai ma semaine de vacances après. Du coup je commence une semaine avant, je commence mon stage, mais je termine une semaine avant tout le monde. Et quand je vais terminer, bah Black Ops 3 sera sorti, et là il va falloir qu'il s'inquiète parce que je vais pas dormir. Je vais le fumer. Je vais le fumer mais d'une violence incroyable. Du coup là au fait, derrière, je vais même pas parler du gameplay, c'est un gameplay braquage. Quartier, moi je fais que cette map là. Et je... quand j'ai acheté Battlefield, je croyais que j'allais me faire éclater honnêtement. Je me dirais, je suis loin, c'est pas un jeu pour moi. Fox il est fort, lui ça fait 3 ans qu'il joue. Call of ça fait 5 ans donc c'est normal que je suis fort. Mais là en si peu de temps, en 2 jours, je suis une machine. En 2 jours j'encule tout le monde. En 2 jours je trouve grave fort, hein. Franchement en 2 jours PF, je trouve que je suis grand fort. Donc voilà. Après là je sais pas, je crois que le gameplay va être pas terminé. C'est pas un gameplay, bon, après ça dure pas trop longtemps normalement. Mais je suppose que j'ai fait un bel enchaînement en début, je m'en rappelle. Je vais finir sur du 30 à 4 je crois. Bref voilà quoi, c'est tout. Du coup je pense que je vais vous laisser là pour cette vidéo là. La prochaine vidéo, je sais pas si ce sera du Battlefield parce que je voulais faire aussi un genre top, une compilation des enchaînements que j'ai fait, parce que j'ai fait des bêtes enchaînements. Genre
des trucs assez drôles, super, mais bon, c'est une vidéo qui dure pas longtemps. Ça peut être sympa. Du coup, je verrai si je vous fais ça. Bref, moi, je vais vous dire à la prochaine. Likez, commentez et abonnez-vous, c'est pas déjà fait. Allez, ciao. J'ai éliminé un soutien. Neutralisé. Une trousse de soins.